De lichte brigade is een infanteriebrigade die snel inzetbaar is door middel bijvoorbeeld parachutage. Dat is ons grote voordeel. Wij werken met lichtere bewapening dan de mediane brigade. Daarom dat we ook snel inzetbaar zijn. De core business is om eventueel een evacuatieopdracht uit te voeren in Afrika. Daar weer het grote voordeel dat we parachutairbaar zijn, dat we licht werken. Licht werken, licht materiaal, dus lichte bewapening, niet te zware voertuigen. Dus alles bij ons kan mee op de man, zoals de punt 50, die wordt mee op de man genomen. Volontaire au niveau de l'infanterie légère, c'est un travail qui offre de multiples possibilités. Donc nous sommes souvent déployés en opération pour les défenses d'aérodromes, style les opérations à Kaboul, des opérations MLT pour former les militaires afghans à pouvoir reprendre le pays eux-mêmes, des missions d'aide humanitaire, donc aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, au niveau tremblement de terre, inondations. Nous sommes maintenant activés dans des opérations NEO, donc c'est l'évacuation des ressortissants dans un pays en temps de guerre. Evacuatieopdracht wordt elk jaar herhaald, voornamelijk bij de oefening Crazy Trip. En dan worden er zelfs burgers ingeschakeld om het scenario eigenlijk echt te maken. La formation est spéciale pour devenir volontaire au niveau d'infanterie légère. À l'unité, il y a une période de formation de 8 à 10 semaines, où là, les candidats sont soumis à rude épreuve, aussi bien au niveau physique que moral. Ils sont souvent sur le terrain et ils apprennent toutes les subtilités spécifiques au travail à l'infanterie légère. Team Spirit is zeer belangrijk bij ons, omdat zeker in het buitenland, je moet kunnen samenwerken en je moet elkaar kunnen rekenen. Il faut des compétences spéciales pour rentrer à l'infanterie, avoir une bonne condition physique et surtout avoir un bon moral. Ne pas se dire par exemple en manœuvre « Ah zut, je vais dormir dehors, il pleut ». Bah tant pis, c'est les aléas du métier. Pouvoir sauter un repas, ça arrive que le ravitaillement ne soit pas forcément à temps. La mission prime et le reste vient après. Zeker in de pelotons wordt er dagelijks aan sport gedaan. Dus de mensen kunnen dagelijks gaan lopen. Dus er wordt zeker gewerkt aan de fysiek, sowieso. Les journées de manœuvre en Belgique sont énormément variées. Ça peut être aussi bien une manœuvre mode, donc combat urbain. Ça peut être une manœuvre combat dans les bois, stand de tir, bivouac clandestin, attaque d'objectifs militaires ennemis dans les bois. Une multitude d'opportunités. Donc rien que cette année, nous sommes partis deux semaines par mois, aussi bien en Belgique que dans des grands camps à l'étranger qui nous permettent d'apprendre des techniques d'infanterie sur des plus grands stands. C'est pas facile de laisser madame à la maison avec les enfants, mais c'est tout à fait concevable, une vie sociale et une vie professionnelle, les deux s'agencent très bien. Les avantages, c'est la multitude de places offertes. On ne s'embête jamais à l'infanterie. Mais non, les contres, c'est qu'on est souvent parti. On ne s'engage pas dans un bataillon d'infanterie pour rester dans une caserne à ne rien faire de la journée.